Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, c'est l'heure de vous présenter donc le Minimal Project 2, puisque il y a un an à peu près, un peu plus d'un an, je vous avais proposé donc le Minimal Project 1. Et aujourd'hui, donc c'est le retour d'expérience et ainsi essayer de vous faire profiter en tout cas de mes pérégrinations et de mes tests concernant donc l'emport avec le minimum sur soi. Aujourd'hui, j'ai changé, on va dire, considérablement mon principe d'emport et je suis parti sur une base donc du Tasmania Tiger dont je vous avais présenté les prémices dans la précédente vidéo donc du bulletin de novembre 2015. Tout simplement parce que le port monobretelle à gauche, donc pour droitier, est devenu pour moi impossible à cause d'un problème d'écrasement des tendons, notamment concernant donc l'épaule gauche. Donc j'étais obligé de m'orienter sur quelque chose de moins lourd et surtout plus confortable au niveau de l'emport. Donc je suis parti sur le Tasmania Tiger, à savoir donc l'Essential Pack. Je vous en avais déjà fait une précédente vidéo, donc je ne vais pas refaire une revue complète. Je vous laisse bien sûr aller voir la vidéo ici sur la présentation de ce sac, même si c'était dans une livrée, une couleur différente, puisqu'on était sur de l'eau des green, et que là aujourd'hui, on est sur du multicam. Alors pourquoi le Tasmania Tiger? Comme j'en avais précédemment parlé, on est sur quelque chose de compact, véritablement assez léger, malgré l'emport et puis le nombre de un petit peu d'items qui sont emmenés dans le sac. Et puis surtout très confortable, notamment grâce aux bretelles qui sont pourvues ici, et puis le dos en filet mèche sur la totalité de la surface, qui permet donc d'avoir un plus grand confort et puis un niveau au niveau de la respiration qui est quand même plus intéressant. Voilà pour ça. Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver? Au niveau de l'extérieur, c'est composé avec deux modules. Comme je l'ai dit, l'intérieur du sac est relativement restreint. On n'est pas sur quelque chose de très important au niveau de l'emport. Donc il a fallu que je m'adapte en fonction des items que j'avais besoin d'emmener. Et j'ai donc rajouté deux pochettes, à savoir des tactiles de chez Maxpedition. Donc on est sur un petit modèle et le modèle médium pour le dessous. Concernant donc les pochettes pour ceux qui s'interrogent. Alors l'intérêt c'est qu'on a des sangles de compression, donc on peut véritablement faire en sorte que le sac soit le plus compact possible et occasionnellement pouvoir ouvrir les sangles de compression pour pouvoir, si le besoin s'en fait sentir, charger le sac. Sur le dessus, je ne vais pas vous détailler en entier, mais on a une trousse bobologique avec tout le nécessaire individuel pour une ou deux personnes, y compris d'ailleurs avec donc une couverture de survie. C'est absolument indispensable quand on part en forêt, on ne sait jamais, il faut absolument prévoir. Et c'est dans cette perspective, si jamais on se coupe, qu'on se blesse, etc., il faut avoir un minimum. Donc il y a, je ne vais pas vous détailler l'ensemble, ce sont des choses qui sont relativement basiques, y compris d'ailleurs avec du Steritrip pour compléter au cas où il y aurait une coupure un peu plus sévère. La couverture de survie, elle est là vraiment en cas d'urgence, elle n'est pas là pour se protéger de la pluie ou autre chose. Donc ça c'est au niveau du premier module. Derrière, une boussole, tout ce qu'il y a de plus classique. Celle-ci, c'est une Silva, elle a 25 ans, je l'utilisais précédemment pendant mes années militaires, donc elle m'a suivi dans toutes mes opérations extérieures au pays, et donc je l'ai conservée bien entendu, et elle est logée ici, derrière, ce qui fait que je peux l'avoir très rapidement à disposition. Sous le dessous, une lampe. Alors tout ce qu'il y a de plus basique, il n'y a pas de marque véritablement. On est sur trois piles de type LR06, donc les triple A. Ça permet d'avoir un éclairage ponctuel éventuellement, avec deux niveaux de puissance, entre 45 et 70 lumens. Et puis également un niveau de puissance rouge, comme je l'avais mentionné précédemment, qui me permet donc de me signaler lorsque je vais revenir marcher, et éventuellement le long de la route quand il va commencer à faire nuit. Juste en dessous, un autre kit complet. Alors on y retrouvera de la paracorde qui est fluo. On va retrouver quand même pas mal d'items, y compris pour le départ de feu en cas de besoin. Un bandana, une pierre d'affûtage Falkniven, une petite cuillère pliante en titane
Ici, on va y retrouver donc du départ de feu, comme je l'ai dit, vraiment le minimum, l'essentiel. Et puis également un petit sac en plastique, au cas où je rencontrerai des choses intéressantes, même si là, pour le coup, ce n'est pas nécessaire, puisque je possède un panier avec moi, puisque j'ai profité de l'occasion pour pouvoir aller chercher quelques champignons. Sur le côté, un mora, ici. Donc c'est celui qui est au carbone. Rien de plus simple, rien de plus efficace au final que ce type de couteau. Donc émouture scandinave bien entendu, pas la peine d'en faire la référence, ça coupe extrêmement fort, c'est très confortable, le grip est parfait et ça suffit amplement pour mes sorties. Si j'ai besoin de couper un peu de bois ou quoi que ce soit, voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus en avant. Sur le côté ici, le Fire Steel de chez Easy qui permet donc d'avoir une petite réserve et puis de pouvoir effectuer un départ de feu si le besoin se fait sentir également. Ceci étant complété par un couteau Victorinox qui était légèrement modifié puisqu'à l'origine c'est le Military qui est fourni normalement avec des plaquettes noires et sur le solder, et j'avais récupéré donc les plaquettes sur un autre type, comme elles sont interchangeables, j'avais positionné donc les plaquettes couleur kaki et noir puisque l'ensemble est toujours dans le même coloris, donc black, je le trouvais que c'était plus sympa. C'est le couteau que j'utilise le plus, très sincèrement, avant toute autre chose que le couteau Mora sur le côté. Par ailleurs, on y retrouve également une scie qui est ici et qui est extrêmement efficace et qui me suffit amplement. Le tout sécurisé bien sûr sur un étui single seat fixé sur les passants molles. Une paire de gants, rien de plus simple également, c'est juste pour non pas se protéger contre les coupures, il faut faire très attention lorsqu'on manipule les couteaux, mais essentiellement pour le bois ou quoi que ce soit, soulever des pierres. Quand j'ai besoin de regarder, trouver des insectes ou des choses comme ça, ça évite quand même d'avoir surtout des échardes. Donc c'est rien de plus basique, on va trouver ça dans tous les rayons de bricolage. Donc c'est très léger, efficace. Le seul inconvénient, c'est que c'est sensible à l'humidité. Donc ça a tendance à se charger un peu en eau. Mais pour le reste, ça permet au moins de se préserver des petites coupures ou des petits bobos au niveau des mains. À l'intérieur, on y retrouvera, comme je suis avec une polaire sur moi, puisque les températures ne sont pas très très basses, toutefois la météo n'est pas nécessairement clémente, donc on va retrouver un principe de protection contre la pluie totalement pliable. Ça c'est le modèle Raincut de chez Quechua, qui est extrêmement bon marché et qui remplit parfaitement sa fonction, à savoir se protéger de la pluie, donc c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h comme on dit. Là, un poncho. Le poncho est, on peut dire, faire doublon avec l'autre élément. Ceci étant, il me permet essentiellement de faire une couverture si le besoin s'en fait sentir. Et si toutefois je dois rester sur un endroit précis, seul ou éventuellement accompagné d'une autre personne, ça permettra de se protéger. Et comme aux extrémités, il y a des œillets qui sont ouverts, ça va permettre donc de tendre le poncho éventuellement et d'accrocher de la paracorde fluo de façon à pouvoir se protéger et faire soit le tarp, soit éventuellement un semblant de couverture pour pouvoir se protéger. On y retrouvera également un scie-allume, ça c'est juste pour le principe de balisage en cas de problème. Je l'ai choisi de coloris blanc, tout simplement parce que ça peut être utilisé comme éventuellement balisage lumineux. On peut quand même regarder un petit peu ce qui se passe en pleine obscurité. Et puis c'est surtout qu'il va permettre de pouvoir se signaler. Autonomie 12 heures, c'est chez Humvee, la marque. Et c'est donc des light sticks. Et c'est 12 heures d'autonomie. Fonctionne très très bien, vendu par 20, très économique. Et enfin, on y retrouvera une scie Opinel, beaucoup plus importante, qui me permettra de couper quelques morceaux de bois et éventuellement... pour fabriquer, si le besoin s'en fait sentir, pour le tarp, le poncho, ça va permettre de fabriquer des piquets, notamment avec une petite hachette. Celle-ci, je vous en avais déjà présenté, c'est la petite Fiskars, la X5, si mes souvenirs sont exacts, je ne me souviens plus, je crois que c'est ça, hein, c'est la plus petite. Donc tranchant très très affûté, ça fonctionne vraiment très très bien. Et ça permet c'est très versatile, ça permet de se servir de ça éventuellement pour fabriquer, comme je vous l'ai dit, des petits piquets, des choses comme ça. Donc c'est quand même, voilà, très efficace
malgré tout, c'est assez lourd. Donc voilà, mais au moins on a l'essentiel. Donc je vous en avais déjà fait la présentation d'ailleurs, je ne vais pas revenir là-dessus, sur l'ensemble des éléments. Voilà, ni plus ni moins, la poche à eau qui est ici, qui quand j'ai besoin de marcher très très longtemps et que je suis assez loin de la voiture, va être remplie avec 3 litres et donc va me permettre de garder de l'eau avec moi bien entendu. Là c'est pas nécessaire, on est aux champignons, la voiture est à proximité, à environ 1 km plus en amont, donc c'est pas nécessaire, il n'y a pas trop de risques. Et pour finir, un sac en plastique très épais qui va me permettre, étanche bien sûr, qui va me permettre de récupérer éventuellement des morceaux de bois, des choses comme ça, du bois gras, enfin bon, tout un tas d'éléments que j'aurais envie de ramasser au cours de mes promenades. Voilà pour l'ensemble, ni plus ni moins, c'est pas forcément très exhaustif, mais sincèrement, on n'a pas besoin de plus que ça, en toute objectivité et par rapport aux usages. Je pourrais même encore me séparer, on va dire, de certains items comme la hachette notamment, qui n'est pas non plus totalement indispensable, on peut se débrouiller avec un couteau. Bref, ce qu'il faut impérativement penser, c'est à la protection personnelle. Donc comme on est en période, on va dire, pré-hivernale, malgré le fait qu'on soit au mois de novembre et qu'on ait des températures qui soient aux alentours de 16 degrés, donc c'est vraiment très très clément, on ne sait jamais, surtout au niveau de l'humidité. La polaire ne résiste pas, bien entendu, ni même les autres vêtements comme le jean. Ça ne résiste pas à l'humidité, donc il faut savoir se protéger. Donc c'est sur cette base qu'est pensé tout ça. Voilà pour l'ensemble. Donc au final, par rapport à ce qui était présenté dans la première vidéo, j'ai conservé finalement la quasi-totalité des items. L'emport, lui, a été modifié, comme je vous l'ai dit, essentiellement pour un aspect confortable. Et puis c'est surtout qu'en plus, on a quand même, une fois qu'on a ça sur le dos, les mains totalement libres, sans que ça gêne pour autant les mouvements. Donc on a une très très grande mobilité. Et puis c'est surtout qu'au niveau des épaules, ça permet sensiblement de m'alléger. Voilà. Je vais vous laisser avec ça. J'espère que ça vous aura plu. Profitez-en si vous sortez pour faire comme nous, essayer de trouver quelque chose d'intéressant. La forêt est une richesse pratiquement inépuisable. On y trouve donc des champignons comme ces fabuleuses trompettes de la mort qui sont certes d'un intérêt gustatif, énergétique très discutable, mais d'un niveau gustatif extraordinaire. Donc si vous avez la possibilité de trouver ça, malgré le fait que les feuilles soient véritablement à recouvrir le sol, c'est extrêmement difficile de les repérer puisque généralement elles sont en dessous, on ne voit que la collerette qui dépasse. Donc c'est très difficile, mais quand on a l'opportunité, ce sont des mets de qualité avec un parfum extraordinaire. Voilà, les trompettes de la mort. On a la possibilité d'ailleurs de les garder telles quelles et puis de les faire sécher et de les garder sur plus d'une année. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité, regardez un petit peu. Alors elles ont la particularité de pousser dans des endroits assez particuliers. Il faut que le sol s'y prête. Ce sont des conditions très très particulières pour les trompettes. Il faut que le sol se prête vraiment pour la pousse. Mais bon, voilà, il y a quand même des choses intéressantes en forêt, y compris sur les arbres, un petit peu partout, comme là à l'heure actuelle avec certains insectes ou certains animaux, notamment des gastéropodes qui sont assez intéressants sur, sur certains troncs d'arbres. Donc on est vraiment, voilà, la forêt c'est pour moi le lieu le plus intéressant pour me ressourcer. Je sais que je ne suis pas le seul, autant que faire se peut, j'y suis le plus souvent possible. Et donc j'emmène toujours le minimum avec moi, malgré tout. N'oubliez pas, la boussole est absolument importante. Vous devez, même si vous connaissez parfaitement le lieu où vous allez aller, ayez toujours une boussole sur vous, ça peut vous sortir de pas mal de situations embarrassantes. Et puis à plus forte raison, bien entendu, si vous ne connaissez pas l'endroit, munissez-vous à la fois d'une carte et d'une boussole. Ce sont les deux éléments absolument indispensables pour pouvoir se repérer et revenir à son point de départ s'il en est. Voilà, j'espère que l'ensemble vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut.